Ou connaît Haïti c'est vraiment un pays de merde. Désolé les fanatiques moi yo. On passe en pile dans nous pour le ticket et ça les dérailler matin. Mais comment comprendre? Joseph Félix Badiou nèg qui gen nous le cité dans la mort président République la Jovenel Moïse. Nèg qui te doit actuellement là derrière quatre murailles. Kounya monsieur gen moyen, mesdames messieurs, la psomé moun, tendez bien. Joseph Félix Badiou, la justice haïtienne a cherché qui caché dans costume Ariel Henry. Monsieur caché dans costume Berto Dorsey. Monsieur caché dans costume on sait de gros manitou. Kounya monsieur gen moyen, la psomé moun. Monsieur voye mandat bay moun, li voye mandat bay Gary Pierre Paul Charles. Li voye mandat bay Louko Désir, bay Esaü César. An comprenne. Ou nèg la justice ap chache. Koun yal gen moyen. Ou ap pay sa. Et mbral ti ou. Huissier ki pote mandat sa ali. Huissier ali même li fè konnen. Li pat konnen si ete Joseph Félix Badiou. Tande bien. Mse fè konnen. C'est un cabinet d'avocat qui que li habitué travail pour lui. C'est cabinet Fizema. Et bien le fè konnen. Li pat konnen, mesdames, messieurs. Si sommation, c'est Joseph Félix Badiou qui te voye. Monsieur, dame. Ou est-ce que c'est vraiment un pays de merde? Non, mais c'est sérieux. Ou n'a gap cherché pour crime. Ou n'a gap cherché quand elle gagne non le cité dans la mort au président. Yap cherché le coucher fou. Kounyal gagne moyen. Li composé avec une série de moun. Li joue un cabinet d'avocat. Li joue un avocat. Les jeunes huissiers, les jeunes moun, qui écrit pour lui. Est-ce qu'on entendait? Et puis qui sommet une série de journalistes. Mesdames, messieurs, nous vivons nos situations, nous vivons nos pays, nous presque pas gen non pour nous bay Haïti. C'est sérieux. Nous presque pas gen non pour nous bali. Qui sens bagay sa gen? Et huissier a fait connaître, pas de connaître non si c'était Joseph Félix Badiou. Li pa te konnen. Nous songeons nous habitués à bay sa en Haïti. On est tankou Steven Irvinson Benoît. Professeur à l'université. Ancien sénateur de la République. Ancien député Pétionville. Monsieur gon document, monsieur si un document, dit pas l'île. Est-ce qu'on comprend? En tout cas, nous tous nous est quoi, nous tous nous en bas nèg yo. Et c'est ça que fait moi-même. Ça vient renforcer beaucoup plus pour me dire gouvernement ça qui l'a c'est même qui assassiné Jovenel Moïse. Entre-temps, mercredi 19 octobre 2022, John Joel Joseph, monsieur plaide non coupable dans assassinat président République la Jovenel Moïse. John Joel Joseph qui était passé devant juge mercredi 19 octobre 2022 nous tous nous songeons John Joel Joseph t'es joué une arrestation en janvier 2022 et ben monsieur li passé devant juge non audience qui durait environ 5 minutes John Joel Joseph li plaidé non coupable. États-Unis fait un autre coup, yo arrêté une dame en dominicaine qui travaille dans le consulat dominicain aux États-Unis. Yo arrêté manze parce que yo joine manze habitué, tendez bien. Voye zam ak munition bay baz 400 maouzo. Est-ce que tendez bien? Elle est de nationalité dominicaine. Travaillant pour le consulat dominicain aux États-Unis. Yo jwenn li habitué voye zam. Bay 400 maozo zam avec bal. Et les États-Unis mette men nan pat kasavli. Gen koze ici tu? Gen koze an basel bleu sa wi zanmi tay. Mesdames messieurs, moi-même moi invité ou. Réfléchi en pile sou nèg ici. Nous c'est sérieux. Ou gen intérêt pour réfléchir
sou actionnaire qui s'est posé chaque jour. Là yo paraît devant, il y a vend une perception comme quoi yo c'est bon moun. Alcool non. John Joel Joseph, monsieur plaide non coupable. Joseph Félix Badio. On l'autre nèg non cité. N'assassinat président République là qui nan maron. Ancien fonctionnaire de l'État. Bonjour, bonsoir tout le monde. N'ap kebe, et pas ça. Moi espérer nous en forme, bon c'est espérer nous ka espérer. Channel la CIT réflexions amis qui avec vous c'est Esdras Fizeme. M'invite au kounya la même mesdames messieurs si c'est première fois gen chance tomber sous nous. Activez cloche notification qui donc abonnez pour ka toujours être connecté et puis pas oublier partager, liker, commenter pour plus monde ka rete connecté à tout ça qui a passé. Restez connecté ensemble avec nous pour retourner dans yon badji. Joseph Félix Badio, monsieur, li jwenn moyen sous protection Ariel Henry depuis quelques temps. Malgré mandat la police mettait derrière, malgré avis de recherche, la police mettait Joseph Félix Badio, monsieur toujours jwenn moyen, monsieur toujours jwenn possibilité mesdames messieurs, li caché en bakako Ariel Henry. Mais kounya, monsieur pas seulement contentel pour le cacher. Mais kounya monsieur gen moyen. Monsieur sommé en série de moun. Le des suspects clés, yon nan moun, selon tout sa révélation, offert selon sa qui dit, Joseph Félix Badio, c'est ta bourreau, nèg qui avec Mepal, ta fusillé Jovenel Moïse, selon les infos. Depuis, la justice est à sa trousse. La justice a cherché monsieur couché fou. Yo pa chame jwenn ni. Mais monsieur gen possibilité de parler et rencontrer avec Ariel Henry. Ariel fait konnen. Li pa ko jam rencontre a nèg konsa nan ville. Ba jam wè tigre moun audacieux tankou Ariel. Ariel fait connait pourquoi j'aime rencontrer Badjo un jour. Et monsieur dit, li pa chame kon moun comme ça. Alors que mesdames messieurs selon toute information yo, Joseph Félix Badjo parlait avec Ariel avant, pendant et après l'assassinat de Jovenel Moïse. Kounya la. Qui ça yo t'a vle expliquer nous? Joseph Félix Badio engagé un cabinet d'avocat. Tendez bien. Monsieur engagé un cabinet d'avocat. Et cabinet avocat ça. Actuellement là, mesdames, messieurs, li sommé une série de journalistes. Gen moun qui t'a parlé de Joseph Félix Badio, qui a parlé de implication Joseph Félix Badio dans la mort Jovenel Moïse. Monsieur sommé moun sa yo, par exemple. Gary Pierre Paul Charles, Scoop FM. Luc Mer Désir, dit Louko Désir. Radio Éclair. Joseph Félix Badio Somme Mounsayo. Esaü César, Radio Éclair. Donc émission matin débat. Monsieur fait connaître, Mounsayo fait menti sous lit. Et Mounsayo doit paraître devant la justice. Kounya golodze genyen huissier qui te pote sommation sa ale monsieur fait konnen li pat konnen OK li pat konnen si c'était un ego ça li pat konnen si c'était Joseph Félix Badio mesdames messieurs nan viv nou pays tête en bas. Et c'est ça que m'te démarré émission pour me dire Haïti c'est vraiment un pays de merde. OK, c'est même gens. Actuellement là, journaliste Alexandre Galvez que Radio Caraïbe monsieur t'a travaillé dans Radio Caraïbe, monsieur qu'on fait un petit cosy crélé, petit cosy en espagnol.
Galvez sont haïtiens qui vivent en République dominicaine, qui connaissent culture République dominicaine, ils tap travaillent dans Radio Caraïbe. Mais on pas connaît. Ils ont révoqué Galvez, mal du pour qui ça. Radio Caraïbe révoqué Galvez parce que samedi 15 octobre 2022 pendant blindé au tap débarqué dans aéroport. Galvez en même j'avais un paquet d'autres journalistes, yo tap tenté rentrer. Et bien selon toute information yo, yo pas de bail journaliste yo accès pour faire photo blindé yo. Galvez qui était sorti, il dépassé parce que ces journalistes haïtiens yo pas de bail autorisation. Mais journalistes français, tout l'autre pays qui était là yo, yo tout yo gen possibilité yo faire photo, yo faire vidéo sans problème. Galvez était sorti li offusqué par ça qui passé a. Nous étions fâchés. Nous étions dénoncé comportement ça. Mesdames, messieurs, et monsieur te dit quel que soit militaire canadien ou jeune et pour couper tête militaire ça et cetera. Bon faut entendre déclaration Galvez te fait et peut-être ça Radio Télé Caraïbes révoqué monsieur. Tout côté nous canadien, couper tête boulet yo. Avion arrivé à 2h37. À midi 37 livini. Ça veut dire que comme c'est mal propre de nous, ils dit non, ça vous voulez. Ok? Avion vini à midi 37, mais il dit à 2h. Quand il y a la police d'Haïti, recevoir l'autre dans le Canada pour aucun joueur haïtien ne faire photo. Et tandis que, vous avez un débat là, journaliste canadien, il a fait photo dans tout avion qui a descendu. Ça veut dire, moi-même, je quitte ce domaine, je viens ici, mais pas pour toi, je viens ici. Mais ce pays, je ne pas quitter le nom. Mais la police nationale d'Haïti, c'est lui qui a contribué pour casser le pays. C'est la police parce que avec Canada. Canada dit à la police nationale d'Haïti, pas qu'il y ait des journalistes haïtiens. Ça ne peut pas entrer. Bon, d'ailleurs, je vais poser une question. Je dis nous à 2h, pas vrai? Avion fin à 12, à midi 35. Ça vient à 2h, on ne pas venir. Nous tous nous menti. Je vais nous voir qui mal porté. Mais malheureusement, nous ne sommes pas un pays. Malheureusement, nous sommes venus avec ça pour dire affaire. Mais ça nous venons avec là. Pas qu'un militaire descendre. Ça nous venons avec là, c'est les armes que nous te commandons. Ok, c'est bon, mais pas qu'il y a l'autre matériel. Machine, ça machine, l'appareil, ou apparemment, pile l'appareil qui vient là. Mais, il n'y a pas les haïtiens de photo. C'est ça l'an canadien qui te fait photo. Mais qui j'en ou même Galvez, ou comprendre ça? Qui j'en ou même ou comprendre ça? Ah, mais, ça me comprend, c'est que, à Canada, les haïtiens pas moyen, ils vont nous pomper mal propre. Il y a policiers, donc commandant, service logistique dans n'importe là, un grand monde de 70 ans, on mal propre. Il dit, ça, il parle mal à un employé. Il dit, allez, vous en, vous sortez une guerre. Mais moi, je suis dedans depuis à 10 ans. Vous ne pouvez pas nommer ça? Non, je ne peux pas mal porter, mais je ne peux pas faire un caca comme ça. Mais son maquin 9 ans pour être propre haïtien par eux, yo bloqué haïtien, yo haïtien ou pas rentrer en dedans. Et ça met service et service nous. Oui exactement, mais yo éliminer nous pas moun encore. Nous pas encore. Et qui message Galvez tout envoyer par l'état? Bon, pas l'état. M'ta dit que moi depuis tout côté nous canadien, coupe tête boulé yo. Et ça m'ta dit moi-même. Ou sont de Galvez. Mais pour qui ça Radio Caraïbe, Radio Télé Caraïbe yo décidé révoquer Galvez? Parce que yo estime, parole monsieur di yo, c'est des déclarations incendiaires. Ok, oui, nous ka condamné, m'a pas de problème, non? Nous ka condamné ça di ya. Et monsieur te ka di, bon, ça l'a dit là, li engage li même, mais il pas engage média que li a. Mais écoutez, mais monsieur pas dit li di l'tout nan non média là, non? Ou pas comprenne? Monsieur pas dit parole li di nan non média, kounya la an nou on bagay. Yo revoke Galvez, parce que Galvez dit, peut-être canadien tout côté de jeune ni. Mais même Radio Caraïbe ça. Là le couvre manifestation en faveur un chef gang. Est-ce que vous entendez? Chef gang Ezekiel là ont été arrêté monsieur. Yo fait manifestation, attendez bien, pas oublier. Radio Caraïbe tout le te connait manifestation contre Jovenel Moïse, toute manifestation qu'a fait dans pays là. Radio Caraïbe lui même c'est match, c'est Alcibiade, c'est l'autre bagarre qu'on a bail. Kounya, y a fou manifestation pour libérer Ezekiel, chef gang, chef base Pilate.
Radio Caraïbe, Radio Télé Caraïbe en direct couvri manifestation. Et kounya là pour Radio Caraïbe estimé déclaration Alexander Galvez fait yo, li tellement dépassé, yo rivé révoqué. Kounya déclaration Galvez avec position Radio Caraïbe. Qui est-ce nan dwe ak fè Haïti plus mal? Comprenez bien. Et ça que mesdames messieurs nous obligé de dire nan vivre nos pays mal propre. Mais c'est sérieux. Kounya Joseph Félix Badiou gen moyen pour la psomé moun pendant que la justice a cherché monsieur. Et pour aberration totale. Nan le blanc passe nan tintin. Le blanc prend de rapo, le Dominique prend de rapo, la pchirel, la piétinel. Kou nan pral di son afon. Kou nan pral di se dignité li met en bas pied. Mais kote dignité ou? Ou yel? Est-ce qu'on a dignité? Avec toute action ça ou kap passe là, est-ce qu'on a parlé de dignité? Ouais pour qui ça? Yo révoke un journaliste? Ouais pour qui ça? Alors que mesdames, messieurs, même radio ça, selon pile moun, radio ça, c'est une radio qui contribue à craser une série de bagay qui t'a fait de façon sérieuse dans le pays. Vous voulez comprendre? Nous vivons dans un pays hypocrite. Ok? Nous vivons dans un pays tête chargée. Un pays qui couvre d'hypocrisie. Chargé moun qui hypocrite là-dedans. Ariel Henry, premier ministre. Tout le monde connaît. Grenzan ou Ariel gagne la caille orfèvre là. Tout le monde connaît ça. Mais qui s'est passé? Ariel, je dis à la groupe paquet média qui a battu bravo pour Ariel. Gou paquet moun jodian la, kap bat bravo pou Ariel, kap fè tout sa la fè la. Kap fini avec yon pep. Un pep jodian la, pa gi défense, ki pa gi relè, ki pa gi kriye, ki pa gi akirele, a ki kriye. Ariel kwaze bral, lap gade pep la kap trépassé. Mais li jwenn media oui, li jwenn moun kap bat bravo pou li. Et la wap kopren. Assassinat Jovenel Moïse là, mesdames, messieurs, quantité moun qui implique là-dedans. Et là, vous comprenez. Et ça, que moi-même, je dis encore, vous avez de moun qui fait gros gorge dans la République actuellement là. Yo pas qu'à dire, yo pas de consulter yo. Dans l'assassinat Jovenel Moïse. John Joel Joseph, monsieur plaidé non coupable devant un tribunal. Dans une session ou encore dans une séance qui fait, dans une audience qui fait mercredi 19 octobre 2022, John Joel Joseph te paraît devant juge et monsieur plaide non coupable. Eh bien, John Joel Joseph nous connaît qui gagne non cité. Monsieur l'ité qui te paye ya, sous complicité, on sait de autorité, faut nous dit ça. Grâce à une série autorité, John Joel Joseph te gen possibilité pour quitter pays ya, elle te quitté, il te rentré Jamaïque. Ah ben FBI te arrêté monsieur dans pays Jamaïque en janvier 2022 et depuis le ça, monsieur mesdames messieurs, il sous contrôle autorité judiciaire dans pays États-Unis. Monsieur paraît devant juge mercredi 19 octobre là et monsieur plaide non coupable. Kounya la d'apton qui sak pral di, qui sak pral décider, qui sort, qui pral réserver pour monsieur, qui sak pral di. Monsieur fait partie de on quantité moun yo arrêté dans quatre dossiers, dans quatre enquête cap mené sur assassinat Jovenel Moïse. Mais pas oublier le Congrès américain, il était passé département d'État l'ordre pour te produire une enquête, un rapport d'enquête pour te dire exactement mais quantité moun, mais qui moun qui impliqué à fond dans assassinat Jovenel Moïse. Qui ça nous est qui dit, qui ça qui fait? Depuis, mesdames messieurs, qui ça qui dit, qui ça qui fait? Yo te bay 3 mois franc. Et na période yo te bay 3 mois. Nous sou n'importe 4 à 6 mois là. An comprenez? Pas rien qui dit, pas rien qui fait.
même blanc la poule dans farine, même blanc mesdames messieurs, la passe dans tété. Jovenel Moïse, il est mort de sa belle mort selon tout le monde. Parce que écoutez, blanc américain, il a mené des démarches pour montrer que il est actif. Et ça qu'il y a plus de monde qui demandait, est-ce que Jovenel Moïse c'est soit américain lié? Parce que pour j'ai où les États-Unis qu'on fout qu'a frappé qui voulait à tout prix pour Jovenel jeune justice. Il y a un monde qui t'a posé question. Hey, nous va comprendre. Est-ce que Jovenel c'est aux États-Unis il t'est mort? Est-ce que Jovenel t'est américain? Y a plus de monde t'a demandé ça. Mais tout le monde vient arriver comprendre. États-Unis t'a mené toute action ça yo, c'est pour capable blanchir propre tête li. Tout le monde t'est arrivé comprendre à clair. États-Unis t'a mené démarche ça yo, c'est pas l'autre raison, pas pour l'autre raison, et pas dans l'autre objectif, c'était juste pour te faire une autre image bail. Pour te bailler une perception comme quoi yo a travail. Mais tout c'est pour yo laver image yo parce que selon un pile pays, selon un pile monde, les États-Unis mesdames messieurs, li pas innocent dans assassinat président République là. Gagné Rudolf Jean, gagné Sami Andal, go paquet moun. Bon. Ou va attendre que nouvelle nom de Sami Andal. Qui ça k'ap fait, qui ça k'ap di? Mesdames messieurs, elle va montrer ou. Yo pre Jovenel pour petite soette. Dossier Jovenel Moïse la passé comme dossier petite soette. Même Jean, n'importe nan nou. Yo te ka mette nou nan prison, yo te ka tuer nou 2 jours après, tout bagay fini. Même Jean, moun la saline mouri. Dossier a passé comme une lettre à la poste. Pièce moun pa di rien parce que moun la saline qui est yo et so bon moun senti fort, so bon moun senti cri pas vrai. Yo pa gen défense. Yo pa gen moun ki pou défendre yo. Mais c'est même gens yo fait pour Jovenel Moïse. Donc dans le dossier de Jovenel Moïse, nous presque dit c'est presque fini. Nous presque dit c'est fini. Vous pensez gon espoir encore? Ou pas se go espoir pour Jovenel jeune justice? Ou pas se go espoir, mesdames, messieurs, pour dossier ça a triomphé? Tout autant c'est équipe ça qui au pouvoir. Et gardez pour ça qu'a fait là. Yo même encore y a arrangé yo. Ensemble avec Blanc. Yo va le jouer nous accord. Yo va le jouer nous consensus. Yo va le jouer nous moyens. Yo va le jouer nous entente, mesdames, messieurs, pour que yo même encore yo retourne au pouvoir. Donc dossier Jovenel Moïse a continué à enterrer. Et c'est ça que me dit ou. Si ou en quitte cette équipe ça, qu'elle organise élection, qu'elle fait élection. Yo pral repren élection et mesdames messieurs gosse de dossier qui a toujours été dans tiroir voire même enterré yo rangé ensemble avec Izo rentré dans parquet ou comprendre ça al prend contrôle une série de dossiers sensibles prend contrôle dossier ça yo mettez du feu là-dedans yo boulé yo pour dossier au classé sans suite pour pas aucun avancé qui fait là-dedans. Mes résultats pays ou là, mes résultats moun kap dirige ou yo. Qui le na fondation? Qui le na fait pays à tout bout? Mesdames, messieurs, l'heure est grave. La situation est on ne peut plus compliquée. Situation difficile. Donc, Joseph Félix Badio, que la justice a cherché coucher fou, monsieur, li somme plusieurs moun. Il y a plusieurs moun actuellement là qui pral répondre question la justice. Parce que yo te osé dit Joseph Félix Badio, li gen non cité nan assassinat Jovenel Moïse. An kape la non. Parce que ouais gen bagay lò fin dil, gen bagay lò fin tandel, mais c'est vague bou bay oui, parce que si c'est pas ça, ou même encore ou victime. Ou même encore mesdames messieurs, ou pral talè la Joseph Félix Badio pral so même, li pral chercher konnen ki es moun ki rele Esdras Fizemeya, et mais faut monsieur paraître devant la justice. An kape la non. Chanel la CIA Haiti réflexion aux amis qui avec ou c'est Esdras Fizemeya. Et même de coup, partage, ti moso la parole ensemble avec vous. Ok? Nous ne devons pas parler fort nous ici. Parce que, assassin criminel, bandit notoire, n'est pas assassiné moun. Ou bien, pourquoi pas parler de Izo, Izo Kassome ou? Pas doit parler de l'homme sans jour, barbecue, etc. Pas doit parler de Tilapli. Ou ka saisi ou mandat vin jouer nous? Yo dit pour aller répondre question parce que, ou ose citer nous, monsieur barbecue, monsieur l'homme sans jour, monsieur Chrisla, monsieur Tilapli. Monsieur Joseph Félix Badio, monsieur Lamor Sanjou. Entre temps, mesdames, messieurs, les États-Unis li arrêté yon Dominicaine. Dominicaine sa, li ap travail nan consulat République Dominicaine aux États-Unis.
Et mais yo arrêté parce que li gen implication comme moun qui konn fourni 400 maoz aux âmes aux États-Unis où la vive. Aux États-Unis, il a travaillé. Dans le consulat dominicain, aux États-Unis, il a travaillé. Il y a des moyens, il y a des armes, il y a des balles en Haïti. Est-ce que vous entendez? Vous entendez ça? Vous entendez quoi? Et puis, tout ça m'a proposé. Il n'y a pas de comment faire des armes. Tout ça m'a proposé. Les armes qui sont entrées là chaque jour. Il n'y a pas de comment faire là. Vous croyez qu'on est? Mal entendu. Je vais croiser un peu plus tard pour une autre vidéo.